Coucou à toutes et à tous, donc me revoilà pour un tirage intemporel. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et donc, on va commencer par le tarot des jeunes sorcières. Mais avant, on va tirer les petites cartes intuitives. Là, je vais prendre du petit oracle des anges et puis du petit oracle et des couleurs aussi. Donc on va aller chercher le petit message, on va demander à nos guides de nous donner un petit message de chaque. Hop, voilà. Alors, quels sont ces petits messages? Je vais prendre celle-là d'abord. Ah, on a chocolat. On a des personnes qui mangent du chocolat peut-être. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà, chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Bon, c'est clair hein, comme message. Et on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ouais, alors il y a sûrement des messages qui vont arriver là. On vous dit de garder votre cœur ouvert, hein, d'exprimer la vérité toujours avec amour hein, et sans peur. Je pense que vous avez peut-être peut-être un retour de quelqu'un. Un retour et puis ben... Oui, il ne faut pas avoir peur de lui dire les choses, je pense, avec, avec amour. Donc, du coup, on va aller voir les messages. Donc, plutôt intéressant comme message. Archange Gabriel. Donc, allons-y. Alors, avec le tarot des jeunes sorcières, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Pour ce tirage. Alors, ouais, alors là j'avais le l'as de bâton. Hein, alors, on parle de il est temps de donner à votre espace une nouvelle vie pleine de magie, allumer une nouvelle flamme intérieure, jeter tout ce qui est vieux, faites place au neuf. Là, ouais, il y a quelque chose de nouveau à arriver, là. Donc, on parle de projet, là. Hein, de quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, allons-y, mes guides, mes anges. Quels sont vos messages pour ce tirage, pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'aime beaucoup le tarot des jeunes sorcières parce que il y a de jolis messages. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? On va aller voir, pour commencer, à la coupe. Je trouve qu'avec la pleine lune, en plus, c'est l'occasion de l'utiliser, hein, tout ce qui est les petits... Alors, mes guides, mes anges, alors à la coupe, alors quels sont vos messages? On a la reine d'épée, la déesse celtique Morrigane. On voit, c'est une maman. Donc, une personne qui est plutôt, c'est une femme plutôt qui a de l'assurance. Hein. Qui est intelligente, qui a de la compassion, hein, de l'amour hein, pour ses enfants, ses animaux aussi. Hein. Ah, on a la tempérance. Apparemment, ouais,
Alors cette carte, en fait, hein, alors je vous la montre, cette sorcière, hein, qui avec son balai, hein, qui met... qui met quelque chose pour le protéger, là. Hein. Donc, ouais, une reine qui ressent peut-être le besoin de protéger sa famille, ses enfants. Oui, la sorcière de la tempérance nous demande de porter une attention particulière en fait hein, pendant que nous sommes en transition. Donc on va parler sûrement de changement. Cette reine en fait va chercher cette sorcière. Hein, elle va chercher à protéger. Et sûrement à demander de l'aide. Pardon. De l'aide autour d'elle. Et aussi à ses guides. Hein. Ah, bah dis donc. Alors, là j'ai quoi? J'en ai trop. Je remets. Alors, mes guides, mes anges. Ah, bah. Celle-là, je les prends. Bah, c'était celle de tout à l'heure, hein, de toute façon. Ouais, on a le jugement. Hein. On a le jugement. Alors, je ne vais pas retourner celle-là. Le 9 de coupe. Hein. Donc, ouais, faut faire attention. Hein. Apparemment, faut faire attention. Là, on risque la chute. Hein. On risque de perdre hein, quelque chose. Hein. Ah, pardon. C'est mon Palo Santo qui me fait tousser un petit peu. Ouais, moi je vois un jugement, peut-être une justice. Hein, peut-être lors d'un jugement, en fait. Hein. Et on a le 6. Dis donc, il y a beaucoup de choses de renversées là. Hein. On a le 6 de coupe là. Qui dit d'emporter seulement. En fait, on voit cette sorcière avec juste un petit sac. Hein. Je crois qu'il faut qu'elle fasse un changement, qu'elle part, mais en fait, faut qu'elle prenne le strict minimum. Faut pas qu'elle s'occupe du reste, en fait. Hein. Sans doute pour ça qu'il y a un risque de tout perdre. Hein. En fait, c'est ça le problème. C'est que on a une reine là qui doit protéger là. Peut-être ses enfants. Et qui reste de perdre beaucoup. Mais elle est obligée de faire un changement, hein, de quitter une situation. Il y a le jugement, de toute façon, hein, qui arrive. Hein, et on lui dit, voilà, de partir avec le strict nécessaire. Ça ne sert à rien d'emmener, de se préoccuper du reste, quoi. Sinon, ça va devenir trop compliqué. Alors, mes guides, mes anges. Voilà, on lui dit de faire juste un sac, hein, prendre le strict nécessaire, hein. Pour partir, hein. Peut-être qu'on lui demande de déjà préparer son sac. Alors je sais pas pourquoi. Apparemment il y a quelqu'un, ça serait bien qu'elle prépare le strict nécessaire dans un sac en fait. Hein. Alors mes guides, mes anges. On a le 3 de pentacle là. Donc on parle de nouveaux projets là, créatifs. Hein. De faire appel peut-être aux guides, aux forces un petit peu des plus grands. Mais je sens aussi qu'il y a peut-être des guides qui vous demandent de vous écouter en fait. Il y a des personnes qui vous guident et il faut les écouter. C'est ce que la sorcière dit là. Ouais. Apparemment, il y a des messages. Hein. Il y a quelque chose là. Et puis comme c'est encore la pleine lune, là, on y est.
Ils sont là, ils sont en train d'intervenir, vos guides. Hein. Ils sont en train d'intervenir justement pour vous transmettre des messages importants. Alors là, on a la lune. Et on y est, hein, la pleine lune. Hein. Là, on a une belle pleine lune. Hein. Il faut oser marcher au clair de lune. Rejoindre peut-être votre famille ou des personnes qui vous aiment. Hein. Là, il est temps en fait de oser. Il ne faut pas avoir peur en fait. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Oh, on a beaucoup de messages quand même. Hein. Ouais. Ouais, il faut pas avoir peur parce qu'en fait, là, on voit, hein, c'est pour une réelle transformation. Hein. On a le papillon, on a la chenille. Là, osez, osez avancer au clair de lune. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Osez aller vers vos guides, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Allez, osez, en fait, écouter. Osez laisser votre instinct, en fait. N'ayez pas peur en fait. Hein. On va vous donner que de bons conseils. Alors là, par contre, ouais, là j'ai un message. Hein. Alors je ne sais pas si c'est pour un homme ou une femme hein, pour l'instant. Là, on dit qu'il faut préparer un sac avec le strict nécessaire pour elle. Hein. Alors là, on a le 3 d'épée. Donc voilà, on parle de libération de conflits. On va arrêter les conflits. Ça va être la fin des querelles. Voilà. On va cesser avec tout ça. C'est pour ça, en fait, cette transformation. Grâce à cette transformation, ça va être la fin. Alors, je vais en tirer deux autres. Et puis après, je vais tirer. Je vais vous dire après. Alors, on va finir. C'est un beau message en tout cas. Donc. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes? Il y a un roi de cœur là. Hein. Donc un roi de cœur, hein. On voit ces sorcières qui dansent. Hein. C'est un homme qui a beaucoup d'amour hein, et qui est là pour protéger. Il a des sentiments très forts. Et il va vous faire danser, hein. Il va vous rendre heureux, heureuse. Donc. Là, voilà, il y a une grande transformation, de grands changements à venir. Vous allez devoir, en fait, laisser des choses derrière vous. Mais c'est pas grave, hein. Vous allez y gagner. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me transmettre vos messages. Et puis je vais m'arrêter là. Ouais, alors là, on a le page de coupe. Donc, ouais, on parle d'amour très doux en fait. Hein. On a une sorcière là, cette reine. Alors, je crois qu'elle aime être naïve dans l'amour. C'est une sorcière qui est très douce. Ouais.
très douce. Mais là, oui, on va vers ce roi de cœur avec, voilà, il y a beaucoup de douceur, hein. Je remarque aussi ces trois bougies. Donc, ces trois bougies. On parle de célébration, peut-être célébrer peut-être une fin de triangulaire, parce que là en fait on a la fin des conflits. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire et là vous allez célébrer en fait cette fin en fait de triangulaire. Hein. Elle est innocente hein, cette sorcière. Hein. Alors, de toute façon, cette relation est innocente. Hein. Ça devait se passer comme ça. Il n'y a pas à s'en vouloir. Hein. Là, on a le pape. Hein. Le pape, là. Avec ses sorcières, et en fait, il explique en fait ce sage en fait, hein, vous devez rechercher en fait la sagesse en vous et rechercher en fait les connaissances, aller chercher de l'aide en fait, hein, aller chercher des guides, hein, c'est ce qui va vous permettre en fait de vous réaliser en fait dans votre vie là. Non, c'est un très beau message. En tout cas, moi, ce que je retiens là, c'est écouter votre intuition, vos guides, écouter, communiquer. Il est possible hein, de communiquer avec eux, de ne vous accrochez pas en fait à tout ce que vous avez actuellement. Il y a un moment, il va falloir laisser tout ça derrière parce que l'ennui, c'est que si vous ne décidez pas de laisser tout derrière vous, vous allez chuter. Vous allez donc voilà, il faut le faire. Hein. Mais de toute façon, le jugement arrive. Hein. Le jugement arrive, la renaissance arrive, les changements arrivent. Hein, et on vous dit là. Vraiment préparer un petit sac. Alors je ne sais pas pourquoi, sans doute que ça va vous parler, mais apparemment préparer avec le strict nécessaire. Hein. Et là on voit la transformation, hein, ça arrive, la fin des conflits, une célébration hein, par rapport à une fin triangulaire, c'est ce que je vois. Et en fait on vous dit allez vers la connaissance, allez chercher de bons conseils en fait pour pouvoir avancer dans la vie là. Donc vous allez ouais vous allez pour l'instant vous vous sentez bloqué, limité, mais il y a l'aide qui arrive hein. Il y a de l'aide qui arrive. Hein. Et vous allez pouvoir foncer là. Hein. Mais pour l'instant, oui, vous sentez des blocages. On sent des blocages. Hein. Il y a des blocages. Donc voilà. Il y a des blocages. Donc, c'est pas évident hein, de quitter une situation hein, qui ne nous convient plus. Donc là, je vais prendre The Gwyn, le Normand. Puis on va aller voir s'il y a des petits messages supplémentaires. Hein. Alors, ouais, de toute façon, il y a de la communication. Hein. Il y a de la communication. Ouais, on parle de décision. Hein. De décision, de chemin à prendre, de. On a le chiffre 22. Alors, mes guides, mes anges, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je
J'en prends quelques-unes pour voir. Alors, on a le chiffre 22. Ouais. Alors là, ouais. On a le cercueil. On parle bien de fin de situation. On fait le deuil hein, d'une situation. Hein. Grâce à ces décisions, on a le chiffre 8. Hein, donc, c'est la carte 8. Hein. Donc, ouais. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, en fait, il va falloir prendre cette décision hein, pour mettre fin à cette situation. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous n'avez pas le choix. Hein. On a la carte 19. On a la tour. Hein. Alors, ouais. On parle de solitude, d'enfermement. Faut, ouais. Pour mettre fin à la situation d'enfermement. Hein. Alors, je donne les chiffres aussi parce qu'en fait, ça peut... c'est le chiffre 19. Ça peut vous parler aussi des chiffres. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je vais en tirer trois autres pour avoir un autre message. Alors, on parle de décision pour mettre fin à une situation où, en fait, vous êtes dans la solitude, dans l'enfermement. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes? Alors, on a la carte 17. On parle de renaissance, là. Là, il y a la naissance. Alors, de quoi, mes guides? Alors. Alors. La naissance. Alors, là, alors c'est la carte 10. Hein. Donc, c'est la faux. Hein. Alors, une naissance soudaine. Hein. Naissance soudaine. Alors, là, je vais tirer... une autre carte. À quelle... Ah. Ouais. D'intuition. Ouais, nous... Ouais. Une naissance soudaine, hein. D'intuition, moi, je dirais. Hein. Alors, en fait, vous êtes quelqu'un qui vous ancrez, en fait, là. Là, vous vous ancrez. Donc, décision pour mettre fin à une situation de solitude, hein, d'enfermement. Vous faites, ouais, la naissance, hein, soudaine, hein. Ouais, vous développez, en fait, soudainement votre intuition, hein, qui va vous permettre de vous ancrer, en fait, hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner vos messages. Alors, hop là, beaucoup. Beaucoup. Alors, je vais juste regarder, puis on va arrêter là, parce que je pense que... Ouais, on retrouve la santé, là. On retrouve la santé, la force, hein. La protection. Ça peut être la mère aussi. Hein. Peut-être que votre maman va vous aider. Ouais. Et on a la loyauté d'un homme là. Oh, on a la loyauté. Et puis là, moi, je dirais... Alors, je ne verrais pas ça comme une trahison. C'est plutôt pour ma reine. Une mutation. Elle va muter, en fait. Hein, grâce à... Ouais, il y a quelque chose qui se passe, là, à la lune. Comme si, soudainement, son intuition, en fait, hein, allait se révéler d'un coup, là. Mais sûrement, la pleine lune, là, en fait, c'est en train de se passer. Hein, et elle est en train de muter, en fait, cette reine, hein. Et elle mute, en fait, pour s'ancrer, hein. Elle va s'ancrer, en fait, avec quelqu'un. Donc, sûrement, bah, cet amour, hein.
Donc, je vais arrêter là avec ce petit oracle, hein, et je vais tirer quelques cartes du tarot psychique. Et puis, on va arrêter là parce que ben, c'est très positif, hein, on va vraiment vers la transformation. On y est là de toute façon. Je pense que les prochains tirages que je ferai, on sera encore un petit peu sur cette histoire qui va sûrement évoluer petit à petit. On parle de lumière, hein. On a une femme qui va vers la lumière. Pareil, là, j'ai à nouveau la carte 19. Hein. Elle sort de cet enfermement, en fait, cette femme, pour retrouver la lumière. Hein. Elle va sortir, en fait, de sa prison, cette femme. Hein. C'est exactement ça en fait. C'est pour ça qu'on les a là toutes les deux. C'est cette tour là où elle est enfermée là et elle va mettre fin en fait. Et puis elle voit la lumière là et elle veut la rejoindre cette lumière. Hein. Alors mes guides, mes anges, quels sont les messages? Hein? Ouais, pour l'instant, elle est toujours dans la tentation, en fait, d'attraper cette clé. C'est tout de suite, c'est ça que je vois. Je la vois plutôt positive, là. Ouais, elle va attraper vite fait, en fait. Elle va avoir un moment, la tentation de le faire, et elle va le faire. Hein. Elle va pas hésiter à la prendre, à l'attraper, cette clé, pour sortir de cette situation. Hein. C'est sûrement cette situation, en fait, soudaine qui va arriver. Hop, ça va arriver. Elle va avoir en fait, voilà, parce que il y a un travail qui se fait pendant la lune là. Et puis paf, elle va aller. C'est marrant parce que les couleurs rappellent un petit peu les couleurs de la pleine lune ici, hein, là, de cette clé. Elle va avoir la clé soudainement. Elle va avoir la solution. Alors, une dernière carte. Elle a voulu se retourner. Ouais. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Oh, ben, ça fait peut-être beaucoup de cartes là. Ah, ben oui, ben, on y est. Alors, on a le chiffre 11, si ça vous parle, hein, c'est la carte 11. Et vraiment, en fait, hein, elle va attraper cette clé. Hein, elle va avoir un moment soudain hein, de tenter. Et puis, en fait, ça va être la solution pour retrouver son équilibre. Hein. Son équilibre en fait. On voit là, on a le bâton, on a le pentacle, on a la coupe, on a l'épée. Ouais, elle va. Ouais. Super. Je vais arrêter là parce que moi, je la trouve tellement belle, cette carte. Voilà, elle y va, cette reine. Hein. Elle y va vers son équilibre. Elle y est. Alors. Je vais tirer un dernier message, le message de vos anges, et puis je vais arrêter là, parce que le message est clair. J'espère qu'on aura une suite quand même pour savoir ce qu'il en est de tout ça. Mais en tout cas, on y va vers le bonheur. Hein. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de suite finalement, puisqu'elle y va vers le bonheur. Cette reine est très bien, ça, c'est très bien, c'est un très beau tirage, c'est. C'est plein d'espoir. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner un dernier message avec l'oracle? Hop, les messages de vos anges. Merci, mes guides. On a Aurore. Ouais, on a cette reine qui sort, qui s'envole. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Voilà, c'est. Ouais, vous allez peut-être faire peur à certains, parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'on n'a pas l'habitude peut-être de vous voir peut-être comme ça, vous émanciper d'un coup, vous libérer. Et surtout, ne redescendez pas, allez jusqu'au bout. Parce que cette carte, elle veut peut-être vous dire, laissez faire les choses. Hein. Laissez-vous entraîner un petit peu par ce diable en fait
qui va vous guider en fait, hein. Des fois, on a besoin en fait de personnages un petit peu comme ça pour nous, parce que sinon, bah, on reste dans des situations mais malsaines en fait, hein. Voilà. Et là, on voit, hein, cette personne sort encore de cette tour. Elle s'envole. Alors, je vais tirer, je sais pas, là, j'ai envie de. Les guides me disent de retirer une autre petite carte conseil des messages de vos anges. Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, bah, super. Alors, ça a bien volé en plus. On a Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. On vous dit d'accepter le point de vue. Alors, même si vous n'êtes pas d'accord, acceptez leur point de vue. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est tellement difficile, des fois, de sortir de certaines situations. On ne veut pas accepter parce qu'on. Et en fait, bah si, en fait, bah ils ont raison. Ils ont raison. Donc voilà, écoutez vos amis, écoutez les personnes qui sont là pour vous faire du bien, hein, qui sont là, qui sont bienveillants, et vos guides, vos défunts, vos anges. Pardon, bah, décidément. Bon, bah, très bien, bah, je vais vous laisser avec, ce dernier message, et puis bah, je vais vous dire à bientôt. Pour un nouveau tirage, et puis ben, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendra à quel moment vous regardez ce tirage. Et puis, ben, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous.